Je vais avoir mon loyer. Oui. J'ai déjà assez attendu. Oui, je vais vous payer, Charlie. Je vais m'arranger. Mais songez à aller habiter à côté, au motel Michelin. Ça sera moitié moins cher. Tu veux qu'on se laisse? Oui. Tu veux qu'on se laisse? Oui, je veux qu'on se quitte. C'est ta faute si on en arrive là, t'as compris? Tu n'as aucun courage. Je suis plus heureuse. Le bonheur, tu sais ce que c'est? Eh ben, cours chercher le bonheur, Linda. Cours chercher le bonheur. Chris, j'exige que vous quittiez les lieux demain matin. Il n'y a pas un seul jour où tu ne détestes pas ta vie. Où tu te dis, qu'as-tu donc fait au bon Dieu pour être si misérable? La pauvreté, c'est ce que tu vis au quotidien. Pendant que tu peines à t'en sortir, tu vois d'autres personnes s'épanouir. Plus personne ne te respecte. On t'injurie parce que tes poches sont vides. On se moque de toi et ça te fait mal. Ton opinion n'a pas de valeur. Encore moins ta vie. Tu te sens inutile et tu penses que tu vas mourir ainsi. C'est vrai, tu n'as pas choisi de vivre dans de telles conditions. Mais ce n'est pas non plus une raison d'accepter la précarité. Il faut que tu te lèves, il faut que tu luttes, il faut que tu charbonnes, cher leader. Car vouloir être riche n'est pas un péché. Tout comme toi, beaucoup s'en est pauvre, mais ont pu s'en sortir. Cristiano vient d'une famille pauvre, maintenant il est très riche. Parce qu'il s'est battu, tout comme Eto'o, tout comme Messi. Ils sont sortis de la pauvreté. Alors dis-moi, pourquoi pas toi? Qu'est-ce qu'ils ont que toi tu n'as pas? Je n'ai pas maudit. Ce n'est pas parce que tes parents étaient pauvres que tu dois l'être aussi. Prends ta vie en main. Transpire jusqu'à la dernière goutte d'eau de ton corps. Va décrocher ce job. Va faire cette formation. Ne dors plus tant que tu ne réalises pas ton projet. S'il faut pleurer, pleure des larmes de détermination. L'heure de ton succès approche. Il approche. Il approche. Visualise tes villas, tes voitures, ton compte en banque, tes entreprises, ta fortune. Chris, venez. Bonjour, Chris. J'ai eu l'idée de mettre une chemise quand c'est le dernier jour du stage. Oui, bien sûr, merci, c'est très apprécié d'ailleurs. Mais ce serait bien demain d'en mettre une aussi, d'accord? Parce que demain risque d'être votre première journée. Si vous désirez travailler ici comme courtier. Vous seriez d'accord, Chris? Oui, monsieur.